Alors bonjour, petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande comment est-ce qu'on pourrait brancher des petites LED colorées dans la voiture pour faire joli sans forcément passer par la batterie parce qu'il y a des gens qui s'embêtent d'ouvrir le capot, de tirer un fil, faire passer à travers le tableau de bord, ça peut se comprendre, c'est embêtant. Mais il y a des astuces, on n'est pas obligé de passer par la batterie. Dans nos voitures, on a tous une prise 12 volts. Une prise 12 volts, ça ressemble à ça, hein. Normalement c'est un allume-cigare. Et si vous ne voulez pas tirer des fils jusqu'à la batterie, ça se servira d'une petite prise allume-cigare. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin pour réaliser cette petite installation? Ça va être vite fait, bien fait. Niveau outillage, si vous voulez faire ça propre avec un petit interrupteur, niveau outillage, il vous faut une dremel parce qu'on va découper la prise allume-cigare. Il vous faut un fer à souder avec de l'étain, un petit cutter pour ébavurer et un ciseau pour couper les fils. Voilà, tout simple. Après, niveau accessoire, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben pour alimenter tout simplement les LED, il va nous falloir donc la prise allume-cigare, un petit interrupteur qu'on va venir greffer dessus, ensuite les rubans à LED avec du fil, on va souder le tout ensemble. Et ça, en fait, c'est comme j'ai pas la voiture dans le salon, hein, on va faire comme si j'avais du 12 volts dans la maison. Voilà, avec un petit blanco pour tracer les repères sur la prise allume-cigare. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par démonter la prise allume-cigare. On va commencer par tracer à peu près la forme de ce qu'on veut découper. On attaque à la dremel. Voilà, le trou est fait, on va tenter de mettre l'interrupteur. Voilà, on a mis l'interrupteur dedans. On lui rajoutera un peu de silicone à la fin pour lui faire une finition. Donc en fait l'histoire maintenant c'est qu'on va essayer de raccorder ces deux petits fils à l'interrupteur et faire ressortir deux fils de l'interrupteur à l'extérieur de la prise allume-cigare. Voilà, le câble est en place, on va lui mettre de l'étain à lui aussi pour pas que ça bouge. On va lui mettre de l'étain à lui aussi. Voilà. Mais c'est pas fini. Parce que du coup, on a un câble à installer. On va lui mettre un peu d'étain dessus. Voilà, maintenant on a mis l'étain, on va pouvoir les faire communiquer entre eux. On va les souder. Vous voyez. Voilà, c'est bien soudé, bien en place. Et bien maintenant on va refermer la prise. On a quasiment fini, donc on peut passer le fil par là. C'est ça que j'avais prévu. Alors on revisse la tête de l'allume-cigare. Comme je vais faire péter la vis, on va lui mettre un petit bout de scotch. On pourrait faire mieux, mais bon, là c'est rapide pour vous montrer. Maintenant on va souder le bandeau LED. On va lui mettre un peu d'étain. Et maintenant on va prendre de la LED. Donc allez, on va prendre de la rouge. On va mettre un point d'étain aussi avec ces petits rubans LED. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits points d'étain sur lesquels on soude et il y a des petits ciseaux sur lesquels on peut couper. Donc on choisit la longueur qu'on veut. Donc on va mettre de l'étain sur la bande LED. Et maintenant qu'on a fait ça, on va souder le ruban. Voilà, donc en théorie, ma prise 12 volts avec interrupteur, elle est prête. On va essayer tout de suite. Donc ma prise allume-cigare de tout à l'heure, elle déconne un peu, donc on va essayer avec une autre. Voilà, ça c'est une prise 12 volts. Femelle, on dénude. On branche au 220 à l'allume-cigare. On essaye. Magnifique, tac, 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 tac. Donc voilà les gars comment faire pour brancher des petites diodes à sa voiture sans se prendre la tête à passer par le capot, la batterie, le tableau de bord. Tout simplement on va se connecter à la prise 12 volts de l'allume-cigare de la voiture pour faire au plus simple. On trouve une prise allume-cigare comme ça. Si on veut on se la modifie avec un petit interrupteur. Si vous voulez pas mettre un interrupteur, ben, vous vous servez de la prise voilà, on-off, hein, on l'enlève, on la remet. Donc voilà comment en 5 minutes se bricoler une petite installation lumineuse pour sa bagnole. C'est cool, c'est sympa et c'est pas cher. Allez, salut!